Salut tout le monde, les gens! Pascal, comment tu vas? Je vais bien. Si, tu fais avec ton portable. Ah, je t'ai pas dit? Bouge pas, je t'explique. Ah, le costume! Pourquoi c'est on a un costume? Parce qu'il y a une collaboration. En plus, avec des copains, ils nous ont déjà sponsorisé. Red Shadow Legends. Le jeu le plus populaire sur téléphone, mon Pascal. Oui. C'est pas un simple jeu fait à la va-vite, tu vois, c'est une vraie histoire. T'as des champions, tu les améliores, oui. Tu les équipes, tu peux jouer contre des boss, on peut jouer contre. Le lien pour télécharger le jeu, il se trouve où? Dans la description. Voilà. Il y a plein de champions, mon Pascal, dans le jeu, tu vois, regarde là. Hop, regarde. Qu'est-ce que tu penses de celui-là, là, lui? Ah, chevalier noir. Ouais. Celui-là, je kiffe. Moi, j'aime ça. Ah, voilà, on va jouer. Attends. Moi, je veux jouer, moi. Deux secondes, que je te montre le mien, oui. C'est l'arbalétri, regarde, il est là. Il est comme ça. Ah, mais c'est parce qu'il est une arbalète. Ouais, il est vrai. D'ailleurs, Red Shadow, tu sais où c'est dispo, non? iOS, Android, PC. Tu sais que moi, je joue beaucoup à ce Trop, jeu. Tu joues trop, toi. Ouais. Tu te calmes, d'ailleurs. Attends, je joue quand j'attends le bus. Ouais. Quand je suis dans le bus. Ouais. Avant de dormir, quand je suis. Si. Partout. Ouais, voilà, je joue. Toi, tu joues partout. Et en plus, si t'as pas beaucoup de temps, c'est ce que tu fais. Tu mets la partie en x2, comme ça. Pap, pap, pap. Tu fais une partie en speed. Ah, ça, je connaissais pas ça, ouais. Pascal. Ça, c'est bien. Par contre, y a pas un truc, y a pas une évolution mensuelle sur le jeu? Il t'envoie des notifications pour que tu rates pas une seule mise à jour. Ah ouais. En décembre, il y a une des plus grosses fonctionnalités attendues du jeu qui sort. C'est laquelle? On peut pas dire. Ah, on peut pas dire. On peut pas dire ça. Attends. Mais on le sait, sachez qu'on le sait. Ce jeu, il se télécharge au mon Pascal. Il est là dans la description, regarde, voilà. Tu cliques. Le lien est là. Et il y a même un nouveau truc. Quoi? Un QR code, regarde. Ah, il est entre nous deux. Juste là, il voilà, regardez. On met là. Par contre, s'il passe par nous, c'est quoi les avantages? Ils ont un champion épique, Shonoru. Après, ils ont 200 000 d'argent, un éclat antique. Un éclat antique, j'adore. Un boost XP et une recharge d'énergie. Par contre, c'est valable combien de temps? 30 jours. Pour qui? Les nouveaux joueurs. Que les nouveaux, bien sûr. Si vous n'avez pas encore joué, les amis, téléchargez l'application. Mmh. Mais d'abord, on va retourner faire notre vidéo. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, mon Pascal, on parle de quoi? Pose ton téléphone! C'est vrai. Est-ce que tu es toujours en contact avec des jeunes, mon Pascal? Oui, on est en contact avec les jeunes. On est dans l'obligation d'être en contact avec eux pendant 6 mois. Il y avait juste Facebook à l'époque. Il n'y avait pas encore Instagram. Non. Ouais. Il n'y avait pas Snap. Ouais. Il n'y avait pas TikTok. C'était des SMS, quoi, que tu envoyais. On envoyait des SMS ou des MMS. Ouais. Sur le premier tournage, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait après le tournage? Ils m'ont dit, ça s'arrête. Moi, j'ai dit, mais il y a un suivi à faire. Bah oui. Et moi, à l'époque, je voulais pas laisser mon numéro de téléphone. Donc, ils appelaient la prod. La prod m'appelait, dit, Pascal, machin, voilà, il y a tel souci, qu'est-ce qu'on répond? Tu répondais ça. Tu t'es dit, il faut y retourner à un moment donné. Je me suis toujours dit ça. Ah ouais? On l'a jamais fait. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage. Et est-ce que par hasard t'as déjà recroisé des jeunes dans la rue? Non, jamais. Tu vas en vacances, je sais pas où et tout, tu vois. Jamais un jeune qui dit oh putain Pascal, te rappelles? Je les ai pas recroisés. C'est fou ça quand même. On garde des contacts. Ensuite, avec le temps, tu sais, les gens grandissent, c'est mûrissent. C'est normal, oui. Et petit à petit, en fait, le contact était de plus en plus lointain. Mais oui. Et après, il devenait inexistant. Mais ouais, c'est normal. Ça, faut le dire. Hein. Ouais, non, mais après, moi, je dis la vérité. Hein. Ouais, mais c'est donc certains encore m'écrivent, là, quelques-uns. Des anciens, un entre autres qui est dans le sud de la France, lui m'écrit encore. Ouais, et il t'écrit pour te demander des conseils ou il t'écrit? Plus de conseils. Prends des nouvelles. Il a 30 balais, il a une fille. Qu'est-ce qu'il me donne des conseils? Le mec qui m'appelle pour me demander comment je vais. Prends des nouvelles. Et c'est marrant parce qu'on parle pas d'émission. On parle de ce que tu fais aujourd'hui. Qui t'as d'autres questions? Ouais. Est-ce que tu as des ados qui ont vu notre chaîne YouTube et qui t'ont écrit? Ok. Très bien de lancer un appel. Dire voilà, est-ce que vous êtes au courant qu'aujourd'hui on est sur YouTube? C'est avec ça. Si vous êtes dans les commentaires, vous avez participé à une émission avec Pascal. N'importe laquelle, que ce soit le grand frère. Après, je veux dire franchement, ne me dites pas. Ah ouais? Non, parce qu'ils vont se faire dégommer. Et les mecs, ils veulent plus entendre parler de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, je dis franchement, s'ils veulent écrire, écrivez. Oui. Moi, je vous conseille pas. Je dis la vérité. Je suis désolé de dire ça. On aurait pu dire, ouais, on va vous appeler, vous allez passer sur le dessus. Ils ont plus envie d'être montrés du doigt par rapport à un comportement qu'ils ont eu il y a 15 ans. Imagine le mec aujourd'hui, imagine il a un poste important. Ouais. Il est responsable d'une équipe. Et les mecs, on diffuse ça. Imagine le mec aujourd'hui, il a une belle image et on va ternir son image parce qu'on va remonter des images il y a 15 ans. Donc moi, je suis pas pour. Alors, celui qui est volontaire, écrit. Évidemment. Si lui, ça le gêne pas. Oui. Mais lancer un truc en disant, ouais, il faut écrire. Non. Parce que les mecs, ils vont se faire défoncer. Je suis certain que certains qui sont passés dans l'émission et regardent la chaîne. Mais ils commentent pas, ils préfèrent pas. Je pense qu'ils voudraient bien faire. Hey, Pascal, ça va? Tu te rappelles? Et je pense qu'ils le font pas. Eh ben figure-toi, il y en a un qui l'a fait, mon Pascal. C'est pas vrai. Bordel de merde. Du coup, c'est la surprise de la vidéo. Ah, bien, excellent. C'est qui? Je vais pas te le dire. Bah, il faut que je sache. Non, mais on va l'appeler. Il va te donner des indices. Non, putain. Oui. Allez. J'espère qu'il va répondre, le cousin. Le cousin. Ou la cousine. On va voir, peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une fille. C'est un garçon. On va voir. C'est un garçon, c'est sûr. Alors, bonsoir. Je ne dis pas ton prénom. C'est JM, je suis avec mon Pascal. On est sur la chaîne. Oh, ça va ou quoi? Oui, je me doute. Florent. Ah non, pas Florent. Quelle activité tu as fait avec Pascal? SES. Et à l'époque, quelle activité, tu sais, physique tu as fait avec Pascal? C'était des ponts en terre. Ah, mais c'est qui, Je sais pas, peut-être c'est pas lui, en fait, c'est personne. C'est un mec qui se trompait. C'est quoi, c'est sérieux, c'est ponts en terre? Attends. Je fais 15 000 ponts en terre, je fais 15 000 assiettes et 3 200 verres. Petit indice, on en a parlé sur la chaîne et c'est lui qui nous a écrit en disant ça m'a touché que vous ayez parlé de cette émission. Est-ce que tu as un autre indice, très cher invité surprise? C'était en 2015. C'est, je sais, le père sur le balcon. Oui, c'est ça. Voilà. Comment ça va? Bien, et toi? Et ton père, il est rentré du balcon depuis ou pas? Ah ouais,
quand même, il n'y a pas à se caler à un mec. Hein. Et le pire, tu sais quoi, ils ont de l'humour, les mecs. Ah, c'est bon. Donc tu es Charles, c'est Charles, ça. C'est ça. Bordel, comment va ton père? Ah, bah très bien. Alors, est-ce qu'il a rencontré une nana ou pas? Parce qu'à l'époque, c'était ça, tu sais. Ah, non, toujours pas alors. Putain, mais mince, c'est pas possible ça. Pourtant, ça fait 2 ans et demi que je suis parti. Hein. Il en pense quoi, ton père, le fait que tu sois parti? Il est content? Il est dégoûté? Ah, bah il est content. Il est content, je le ferai plus. Non, je sais qu'à l'époque, t'avais changé et que ça t'avait énormément servi. Et c'est pour ça que je t'avais fait venir. Je me souviens, on était dans les chalets à l'extérieur en pleine montagne là. Et ton témoignage avait énormément marqué la famille que j'aidais à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens alors? Donc, t'as une nana, t'es papa, t'es quoi? J'ai une nana. C'est bon ça? Félicitations. 5 ans que je suis avec. Parce qu'il a pas trouvé une copine à ton papa, mais il a pas trouvé une pour toi, c'est bon ça? Et c'est vrai que lui, c'était un des plus costauds de l'émission. C'était une sacrée aventure. D'ailleurs, peut-être qu'on mettra des extraits si tu l'autorises. Ah oui, y a pas de soucis. On avait eu une idée, mon Pascal, avec Charles. C'était de regarder son émission. Avec lui? Avec lui. Wow, ça serait ouf. Ça serait fou. Dites-nous dans les commentaires si ça vous chauffe de faire venir Charles. Après, ou pas. Ouais, déjà, et savoir si toi t'as envie qu'on reparle de ça. Parce que peut-être qu'aujourd'hui t'as un boulot, t'as une nouvelle vie, t'as une nana. Est-ce que ta nana savait comment t'étais auparavant? Est-ce qu'elle a pas peur de découvrir qui elle est à côté de lui chaque soir dans le lit, quoi, tu vois? Non, non, elle le sait parce que j'ai été emmerdé justement avec ça, avec ses parents au départ. Mais ouais, tu vois, je vous dis. Quand tu reparles de ça, bah quelque part c'est négatif pour moi. Ouais, parce que tu vois, tu dis, ah ouais, mais t'étais comme ça. Moi j'ai dû aller au niveau du blown arène pour aller péter la gueule à des gars parce qu'ils étaient pas contents. Charles, qu'est-ce que je t'ai dit? T'as retenu aucune de mes leçons, putain. J'ai retenu, mais je me défendais. Ah, c'est vrai que je lui ai dit, tu dois te défendre et pas te laisser faire. D'accord. Ah bah, ils ont fini à l'hosto tous les 5. Putain, les 5. Non, mais là, non, mais vous vous rendez pas compte, le gars, il est costaud. Charles, est-ce que l'invitation est acceptée de ton côté? Ah oui, y a pas de souci. Pascal? Ah bah oui, moi aussi. On check, allez. Ah, moi le revoir, ça me ferait déjà énormément plaisir. Et je vais prendre ton numéro de téléphone, comme ça on restera, voilà, restera en contact si t'as un souci. Je te poserai plus de questions quand on se verra. Exact. Et Charles, je sais pas si je te l'avais dit, moi j'aurais aimé qu'on fasse une émission en plateau. On appelle tous les jeunes et on parle que de ça. Putain, mon Pascal. Qu'est-ce que vous êtes? Eh, franchement, si on peut le créer sur YouTube. Attends, en un an, il y a que Charles qui a écrit. Donc, mais je comprends. Les amis, si vous voulez repasser, essayez de commenter, de vous manifester, de nous envoyer un mail. Ouais, vous écrivez par mail, voilà, en privé. Tu vois, vous avez vu, j'ai pas qu'une femme, hein, maintenant. Comment? Il y en a deux? J'ai pas qu'une femme. Hein. J'ai aussi une petite fille. Oh, oh, elle a quel âge? Elle a 10 mois. Pas beau ça? Bravo, magnifique. Ah oui. T'as un balcon chez toi? Oui, j'ai un balcon. Ouais. Alors fais gaffe que ta fille te mette pas sur le balcon. Vous avez FaceTime ou pas? Ouais. Vas-y, on met FaceTime, on essaye. Putain, on va voir Charles, c'est énorme. Il est là! Ah, c'est le même, hein. Il n'y avait pas de barbe à l'époque. Bon, ça va? Ouais, très bien. Bon, il a gardé les mêmes joues, pareil. C'est pareil, bon, ça. C'est vrai qu'il n'y a pas changé. J'ai vu. Non, c'est le même, t'as vu toute la vidéo? Ouais. Il faut que tu tailles la barbe quand même. Hein. Ah ouais, mais ça risque de couper, ça. Ah, ok, tu vas l'enlever. Et encore, quand ça a commencé, j'avais encédé le passage. Allez, où ta demoiselle? Elle est là! Ça va? Ça va, Charles? Ah bah, je m'emmerde pas. C'est quoi? Il a toujours été comme ça. C'est ça que je te jure, c'est vrai, dans les vannes, dans les trucs. Ouais, bah c'est comme ça. Ah, mais j'imagine. Ouais, c'est ça qui est bon, tu es un bon vivant, ça fait plaisir, Charles. Et puis c'est le côté un petit peu, tu sais, no stress, cool, ouais, tranquille. C'est ça. Ouais, bah c'est cool. Trop bien, Charles. Bon, on va se voir bientôt alors. Ouais, y'a pas de soucis. Tu sais que je m'entraîne toujours. C'est bien. J'ai envie de te contacter, on va mettre ça en place. On se tient au courant. On verra tes jours de dispo, vos jours de dispo. Comment? Vas-y. Vas-y. Ah, oh, c'est... elle est là, la petite. C'est ça, Stella. Stella, la classe. J'ai pas pioué mamie aujourd'hui. Ah, vous êtes tranquille, donc. C'est bien. Profitez-en si vous êtes tranquille. Hein. Non, c'est pas possible. Ah. Je veux pas savoir. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Quand je dis profiter, regardez un film, reposez-vous. Ouais. Peut-être que grâce à ton témoignage, le premier, c'est ça, de tous ces jeunes que j'ai aidés, peut-être que ça va motiver les autres à revenir et à pouvoir voilà, parler tranquillement. Parce que ce serait bien, toi, que les gens leur ferment leur bouche un petit peu, tu vois, sur ce qu'ils ont pu dire, oui, ça marche pas, c'est truqué, etc. Et on l'a entendu, hein. Vous êtes des enfoirés alors qu'aujourd'hui, t'as changé, t'es papa. Donc, tu vois, maintenant, ça va. Donc, il faut arrêter de garder une image négative de vous et de montrer que vous êtes devenus de belles personnes. Ah bah... On est d'accord. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas changé. Si, moi je sais qui. Je les convoquerai pas ceux-là. Sur 152, 10%. Et ça, on en reparlera quand vous serez face à face, les amis. Si on va dire trop de choses là, on va garder un petit peu de secret. C'est ça, exact. Et les coulisses, etc. Tu pourras parler des caméramans, le comportement qu'ils avaient avec toi, etc. Que voilà, on a tous été là pour vous et on a essayé de faire au maximum pour que ça puisse bien se passer. Et puis voilà, la preuve, ça s'est bien passé. Merci à toi. Merci d'avoir répondu, Charles, en tout cas. Et maintenant, on est sur Snap, on peut s'envoyer des petits messages. Ah bah pourquoi pas. Bon, on m'emmerde pas trop non plus. Hein. J'ai pas le temps. Moi non plus j'ai pas le temps, c'est bien, donc m'écris pas. T'embrasses ton père de ma part s'il te plaît. Ouais, y a pas de ce serait même ouf si ton père pouvait venir, ce serait incroyable. Bah ça, je sais pas encore.
Je sais pas s'il peut se déplacer facilement, quoi. Ah, lui, je vais le taper parce qu'il m'a rien dit, cet enfoiré. Tu vois, je lui fais une surprise, il me tape. Je veux pas de surprise, il me tape. Et je vais plus rien faire à un moment donné. Oh. Tu fais je te fais plaisir, je te fais plaisir. Moi, je veux te voir au rond, Pascal. Voilà. Tu m'engueules, moi. Ouais, là, c'est moi qui t'engueule. Engueule-moi. Voilà, je ne peux pas bouger. On a dit les bleus, c'est en dessous les vêtements. Voilà. Ah, c'est sous les vêtements. C'est ça. Charles. Salut, Charles. Sandy, à plus tard. Ciao, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut. Ah là là, trop fort. C'est bon ça. Bon bah écoute, c'est cool. Ça fait plaisir, Pascal. Non. Bah, ça se voit. Ouais. Parce qu'il y en a qu'un. Eh ouais, à un moment donné. 152, il y en a qu'un qui répond. Ouais. Manque de tarba. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire. Ah ouais, Charles. C'est quoi la voix? Je te jure, elle a la même voix que Florent. Et Florent en plus, c'est le même gabarit. Et Florent, lui, je suis sûr qu'il viendrait sans problème. Après, faut-il savoir, c'est est-ce qu'il regarde la chaîne? Ouais, c'est ça, c'est ça. Toi, ça se trouve, il regarde pas la chaîne. Ouais. Comment t'as réussi à le contacter? C'est lui qui nous a écrit. Ah, c'est lui qui a écrit. Donc lui regarde la chaîne. Tout, lui regarder la chaîne. Du coup, oui, Pascal, tu es encore un peu en contact avec certains gens. Pas beaucoup, voilà. Très peu, ceux qui veulent continuer, effectivement. Et puis bah, les autres, je comprends, hein, chacun fait sa life. Et moi, je suis pas non plus allé vers eux pour savoir, voilà, au bout de 10 ans, ce qu'ils sont devenus, tu vois. Ça. J'espère que ça t'a fait plaisir. Oui. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Voilà. On active la cloche. Exactement. Les pouces. Les orteils. Voilà. Le corps entier. Ça. Merci à nos sponsors. Le sponsor. Red Shadow Legend. Le lien, il est où, mon Pascal? Il est dans la description, voilà, juste là. Ah, exactement. Ok, allez. Salut tout le monde, les gens.